L'éclaboussement du sol par les gouttes de pluie est habituellement le plus fort et le plus évident lors d'orages de courte durée et de grande intensité. Tel est le cas de l'école primaire 8 février 1964, menacée par les érosions. À simple vue d'œil, cet établissement, l'unique dans cette zone, perd lentement sa cour qui déjà subit la violence des intempéries à répétition en cette période pluvieuse. Le seul souci qui me préoccupe, c'est la dégradation de la cour de l'école qui s'abîme presque tous les jours quand il pleut. Là même, la pratique du sport devient même impossible. Il n'y a pas de pleurs parce que souvent nous lâchons les enfants. Nous lâchons les enfants avant même qu'il ne pleuve. Mais on vient constater les dégâts quand nous revenons. Si nous sommes de la matinée, nous revenons la matinée. Si nous sommes de l'après-midi, nous revenons de l'après-midi, on vient constater les dégâts. Mais on a toutefois fait appel aux autorités, surtout du quartier, pas peut-être du haut sommet du quartier. Mais en tout cas, il ne semble rien faire. Si rien n'est entrepris, cette école recevra son acte de décès délivré par les érosions et octroyé par la pluie. La cessation des cours dès que le ciel s'assombrit et les risques d'écroulement des bâtiments ont été évoqués par Madeleine Kibondo, directrice VAC-A de cette école. Oh oui, ça peut toucher même les bâtiments, surtout qui sont au fond là-bas, et surtout même l'inspection. Vraiment, ça me fait peur. C'est pourquoi il faut vite venir vraiment au secours de notre corps. Ainsi, des dispositions doivent être prises par les autorités compétentes pour sauver tant soit peu cet établissement du 4e arrondissement Luandjili.